Alaa était en cinquième année de médecine quand son pays a basculé dans la guerre. Un an après la mort du colonel Kadhafi, elle se partage entre ses études et son engagement politique. Elle a monté un groupe de pression qui fait campagne pour une meilleure représentation des femmes au sein du nouveau pouvoir libyen. Si les femmes n'ont aucun pouvoir de décision, si elles n'ont aucune influence économique, c'est très difficile pour elles de s'imposer socialement. Les politiciens sont en majorité des hommes, les ministres sont aussi des hommes. La majorité de ceux qui prennent des décisions en Libye, malheureusement, sont des hommes. Nous devons changer cela afin qu'un jour, nous puissions changer la législation concernant les femmes. Sur les 33 femmes que compte le Congrès national général de Libye, 7 ont participé à la formation organisée par La Voix des femmes libyennes. Parmi elles, Majida Fala, la représentante des frères musulmans libyens. Toutes les lois qui sont injustes envers les femmes doivent être revues et correspondre à la loi islamique, la charia, qui sera la base de la législation dans la nouvelle constitution. Et cet activisme s'étend bien au-delà de Tripoli. La révolution est née ici, à Benghazi, le centre libyen pour les droits de l'homme aussi. Anna Sachik El Galal est professeure de droit international. Elle a fondé ce centre en espérant que le respect des droits de l'homme débouchera un jour sur l'égalité des sexes. Les droits des femmes ne viendront pas du gouvernement, cela viendra de la lutte et le combat des sociétés civiles, de femmes, d'hommes qui croient dans les droits des femmes et qui croient que les femmes sont des partenaires pour bâtir la société. Après 42 ans de dictature étouffante, les Libyens peuvent enfin espérer des avancées politiques et sociales. Mais pour les Libyennes, la révolution ne fait que commencer.